Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire donc la découverte de Smelter. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Hein, où on va donc. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit là ? Ah non, c'est pour bouger. Ok. Alors normalement, on incarnera donc Eve. Hein. Là, c'est Adam et Eve. Alors on voit qu'il y a la pomme par terre. Enfin bref. À l'intérieur de la boîte, vous avez donc le poster. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc vous avez ce poster comme ça. Et vous avez. Attends. Le poster comme ça. Voilà. Hop hop hop. Oh, je mettrai ça plus tard. Ah, et puis dans la boîte, oui, bah tiens, vous avez. Ah bah là, hein, vous verrez pas grand chose. Si voilà. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Enfin bref. Bon, après, ça sera mieux quand je vais faire les vidéos où je mettrai l'explication avant, là, comme j'ai dit ce week-end, enfin dimanche. Donc, vous verrez un plus grand, ça sera mieux, parce que là, c'est un tout petit. Allez, on y va. Bah, évidemment, normalement, oui, c'est... Attends, je vais voir un truc avant. Ah ! J'ai fini le jeu. Bah ça y est, voilà. Bon bah je vous souhaite donc une bonne journée. Sérieux? Ah ouais, d'accord, ok. Ah, le jeu qui peut se finir le plus rapidement possible. Bon attends, je me tire quand même. Bah. Ok, d'accord. Ah ouais, putain, je recommence vraiment. Ah, si j'ai vraiment fini en fait. Ah bah elle est pas mal celle-là. Alors bon bah tiens, en même temps comme ça je vais vous montrer deux modes de jeu. Le mode classique auquel j'avais choisi, donc ça montre que donc c'est rempli de construction d'empire, de quêtes et d'action platforming. Et là en fait il vire la construction d'empire et on passe tout de suite à l'action. Voilà, on passe direct à l'action, enfin c'est que de l'action, il n'y a pas de construction, de quête, parce que si j'ai bien compris, ça se la joue un peu. Tailleur défense par moment. Donc si on tombe dessus, ce serait bien qu'on puisse voir ça. Bon bah on s'en fout. Ah, on va revoir la bande annonce. Ah bah non, vous l'avez pas vu. Ah bah non, il n'y a pas. Non, la bande annonce c'était au départ. J'ai rien dit. Hop là, voilà. Bon alors là, je fais pas la même connerie. Et ça se finit plus vite que les jeux d'Ubisoft à Far Cry. Hein. Ah voilà. Ah, il a bouffé la pomme, ce con. Attends, ça... Ouais, ça s'enregistre. Bon. Bon, on va laisser pour voir. C'est pour vous qui est Adam. Ensuite, comment... Ouais, ouais. Après avoir vu... Hein? Après avoir vu son Adam adoré le dévorer... Ah oui, la pomme. Ouais, ok. Non plus, ce serait beaucoup trop flippant. C'était plutôt... Genre, il fait noir, mais on peut voir un peu. Déjà, il y a une connerie dedans. Ah, bien sûr, faut imaginer. Oui, bah oui. Alors, quoi? Comment ça? Je digresse. Je raconte l'histoire. T'as jamais entendu parler de la narration, toi? Il faut peindre le tableau pour émerger son audience. Et si tu me laissais bosser tranquille... Ouais, je sais pas qui parle là. Bon, pour l'instant, ouais, attends. Je sais pas si je passe. Attends, je regarde s'il y a autre chose qui arrive. À mesure qu'elle chutait, les ténèbres se mirent à luire. Ouais. Atteindrait cette lumière. Ah bah ainsi débutait son aventure. Donc c'est sûr que quand elle va arriver en bas, elle va pas mourir hein, déjà. Ah, si, ça y est, ça commence à arriver, c'est bon. Ah bah elle est freinée dans sa chute, on dirait. Alors quand vous mettez le jeu quand vous mettez le jeu, il est déjà en français en fait. Doit se mettre par rapport à la console.
Alors, on est, je sais pas où. Bah là, je ne la contrôle pas, hein. ça fait tout seul. Ah, pas mal le truc qui te montre bien le... Ok, donc je saute comme ça. Et hop là. Putain, là, bah, c'est déjà commencé à se battre. Hein. Non, ça pique pas. Mais... Ok, bon, ça c'est cool. De toute façon, je peux pas aller là-haut. Alors, je sais pas sur quoi c'est sorti à l'époque, parce que si un mode classique, c'est-à-dire c'est un jeu qui est déjà sorti, ça. Oula. Ah, puis là, je parie qu'il va falloir que je me maille. Ouais, voilà, c'est ça. Oula. Forcément, ça serait pas drôle sinon. On peut faire des tout petits sauts. Alors, faut pas que je tourne mon cou non plus. Ok. Bon, bah, allez, on saute. Putain. Vu le saut. Je veux dire, vu le saut qu'elle a fait. Alors, j'entends des bruits de pas. J'aurais besoin d'un coup de main par ici. Nom d'un... Ah, non, d'une zirme en bois. Une zirme. Je le savais. Et la rôdeuse ramène ta fraise par ici. Ramène-toi en bas et tire-moi de là, veux-tu. Ah, par contre, quand tu vois le machin, t'as pas trop envie de l'aider, hein. Bah, regardez le carcasse, bah, d'accord. C'est pas vrai, cet endroit est en train... Ouais, bon, désintégré. J'ai plus qu'à faire mes prières, c'est ça? Ah non! Non, parce que là aussi, il y a... Attends, pas un autre jeu. Ah, j'ai cru que c'était la... on va dire le bonhomme tout en haut avec les yeux rouges, là. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. J'ai failli t'attendre. Mais je t'en dois une. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cet endroit pareil, toi? Et que le silence est d'or. Tu dois être richissime, toi, alors. Une minute. Je vais tenter de lire dans tes pensées. Ah, je vois. Je vois que tu es à la recherche de ton petit copain. J'ai bon? Je suis sûr que c'est ça. Dis-moi que c'est ça. En fait, il est pas du tout sûr, il a fait au pif. Je vais prendre ça pour un oui. Ouais, bon, allez. Ah bah, Smelter. Ah oui, Smelter, c'est lui, ok. C'est... Ah oui, il est pas sûr qu'il s'appelle comme ça, il est fort, lui. Mon prénom est archi dur à prononcer. Plein de voyelles et de bruits de gorge. Ah oui, donc, oui. Disons que je suis une sorte d'ange, mais un ange super bien. Et vas-y, il se lance des fleurs en plus. Bon. Oh, ah oui, bon, allez hop. Ah, c'est comme ça qu'on arbore en fait, on va dire l'armure quoi. Et on dirait un peu Megaman. Enfin, j'espère que c'est pas comme Megaman parce que je j'aime pas Megaman. Alors, ça me rappelle ma jeunesse. On verra ça plus tard. Explose ces rochers et sortons vite d'ici. Bon allez hop. Ah non, je suis... Ah si, c'est moi. N'empêche, elle explose les rochers et ses pieds hein, au départ quand même. Hein, Elle est quand même balèze. Hein. Bon après, on s'arrête pas sur les détails. mais on a fusitronnier. Putain, tu parles d'un nom, toi. Bon bref, allez où? Bon allez, on passe un peu... Ah ouais, putain, c'est pas moi qui ai coupé, hein, c'est lui, hein, là. Mais qu'est-ce que je fais, moi? On n'a pas vraiment le temps pour l'interlude. Ouais, on verra ça plus tard. Bon, allez, où ouais, c'est... Allez. Ah oui, j'ai une barre en haut. Ah merde, je pourrais pas mettre ma caméra à cet endroit-là. Bon, elle sera en dessous.
Attends. Oui, R, c'est ça. Ouais, bah, Mathieu Malheureux, je la mettrai en dessous. On peut le détruire, ça? Ah non, on peut pas. Merde. Attends, faut pas les toucher, eux. Bon, ça va, pour l'instant, c'est pas compliqué. Ah, c'est quoi ce truc-là? Magico truc. Ah, super. Je crois... Ouais, bon, bref. Alors, la capacité... Pardon. La capacité smelter de smelter... Je pense que ça doit se prononcer comme ça. Permet d'interagir... Excusez-moi. Ça veut pas passer. D'interagir avec certaines choses qui dégagent un halo vert. Ok. Les ennemis peuvent aussi être smeltés. Ah oui, il y a l'absence. Ok. Smeltés lorsqu'ils sont entourés d'un halo vert pour obtenir des PV. Des PVS. Non, des PV. Pourquoi ils ont rajouté un S? Bon, bref. Si tu dois. Si tu vois quel. Putain, je vais pas y arriver. Bon, bref. Allez, hop. Donc, L. Ah, c'est bien. Donc, ça, en gros, c'est quoi? C'est le checkpoint, ça, en fait. Attends, on va essayer sur les ennemis. Ah non, là ça marche pas. Pas sur eux. Alors. Ah oui. Alors. Comment se retrouve mon plus fidèle ennemi? Un blob. Alors, vas-y. La smut lame. Alors, comment on fait? Oui, vas-y. Alors, chaque fois que la jauge de... bref, de machin est pleine, une attaque puissante. Alors, coûte 3 barres. Attaquer les ennemis, remplis la jauge de machin. Ok, donc là... Ok. Donc là, par exemple, je peux pas l'utiliser. Parce que... là, j'ai plus de barres. Okay. Bon, là-dedans, c'est sûr qu'il y a des boss. Hein. Mais t'arrêtes pas devant la sortie? Bon, allez, roule. C'est vrai, quoi, merde. C'est dehors que t'en parles, pas juste devant la sortie. Imagine qu'elle se ferme juste devant ton nez, t'es marron. Bon, allez, d'où? Ah! Ah bah voilà. Donc là, c'est la phase, comme je vous avais expliqué, un petit peu Tower Defense, enfin, normalement. Alors, nous arrivons à destination. Ok, bon, alors bienvenue sur les terres caouteuses. Ouais, tu vas pouvoir m'aider. En retour, je t'aiderai à retrouver Adam. Ok. Mais d'abord, laisse-moi te montrer mon magnifique amp. Ouais, bon, pas style au reste, quoi. Ouais, mon cœur est toujours là. Mais il... Ouais, on s'en fout. Votre déstabilité, vous êtes de retour. Tu sais qui parle. Ouais, attends. Commandant Zirma. Ah non, on le voit pas. Ah si, merde, il est complètement de l'autre côté, peut-être je l'avais pas vu. Commandant Zirma, ok. Ok, ok, ouais, bon, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Votre procédure et ses approches ont été toutes détruites. Ouais. Ah oui, là, il y a des ennemis. Sans succès. Ah non, attends, c'est qui celui-là? Oui. Bon, allez, vas-y, roule. On peut pas passer plus vite. Alors, livrer bataille dans les terres chaotiques. À défendre ses irmes et son empire en attaquant. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, c'est pas vraiment comme du tailleur défense, parce que là, c'est directement. Ou alors, est-ce qu'on pourra mettre des tours? Je sais pas. Alors, ouais, on s'en fout. Bon, je passe un peu, hein. Je peux pas couper totalement. Chaumière et caserne. Oui, bon, on s'en fout. Je dois réparer les bâtiments. Je sais pas. Ouais. Fissure, ouais.
Bon, alors, vas-y. Donc là, je maintiens. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Alors, on trouvera d'autres fissures à travers les terres caoteuses. On devrait y affecter des amphoreuses si on veut augmenter notre rendement en hélium. Ok. En fait, c'est un jeu de plateforme et de stratégie en même temps, je dirais. Ça fait pareil. D'accord. Alors, utiliser de l'hélium et lancer réparer dans... Je veux dire, sur ses habitants, sur ses bâtiments et structures importantes. Ok. Donc là... Là, je... non, réparer, c'est R. Ah mais j'ai juste appuyé une fois, c'est tout. Bon, ça c'est fait. Où est-ce que tu vois qu'on a... Ah oui, là-haut. 427 sur 500. Ok. Je peux pas aller plus vite, je suis obligé d'attendre. Voilà, bon, tout est réparé. Bon, ok. Bon. Alors... On peut maintenant affecter des armes à cette caserne et les préparer à combattre pour moi. Alors, non, non, tu vas là-dedans, tu fais Y. Ah. Si, oui, d'accord, ils y vont tout seuls, ok. Ok, hop. Ah ouais, mais non, il faut que je reclique à chaque fois, voilà. Ah oui, il y en a 4 en bas, d'accord, hop, hop, voilà. Normalement, c'est bon. Ah non, il y en a 3. 3 qui peuvent y aller. Je peux pas plus. Ah oui, il a fait tes 3 zims, j'avais pas vu. Ah ouais, alors donc, tu vois, ma caméra, faudra que je la mette de l'autre côté. Bah, pour vous, elle y est déjà, hein, mais moi, là, à l'heure actuelle, je n'y ai pas. Votre. Oui, bon, alors, encore. Allez, un peu de plateforme. Ah, ok, d'accord. Allez, zou. Oui. Allez. Bon, c'est normal, c'est le début, ça explique. Ah oui, c'est marrant, ça fait des petites cases. Là, je peux sceller. Ah oui, je peux pas rien faire. Attends, je veux dire un truc quand même. Là, c'est le cœur. Sceller. Sceller, oui, en fait, ça veut dire que là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, il y a un bonhomme. Donc, il y aura d'autres endroits qu'on pourra bricoler. Ok, bon, bah là, pour l'instant, c'est ici qu'on doit aller. Maintenir. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est original, ça. Ça change. Alors, le divin était en contact avec les gardiens d'autrefois, mais il y a longtemps qu'il ne s'est pas manifesté. Ok. Allez, maintenant, normalement, c'est de la plateforme. Ouais. On va avoir un niveau de plateforme. Alors. Là, ça me fait penser, vous voyez... avec Eve et puis donc Smelter, ça me fait penser genre à Mario avec Capi. C'est le même principe. Bon, allez, où? Allez, on va aller les désinguer. Oui, allez. Alors, attends, normalement, c'est quoi déjà le. Quand il est en vert? Attends. Ah, merde, quel con. Je voulais voir si je pouvais l'attraper. Alors, je dois te parler des forges. Tous les domaines en sont équipés. Et tu n'imagines pas tout ce que... Ouais, bon, bref, allez. Ouais, ça fait quoi, je vais dedans. Alors, une seconde. Ok. T'as senti ça, le pouvoir de la forge coule en moi. Ce qui te fait te sentir... Ah, c'est pour redonner de la vie, là. Donner un bon coup, t'es tout chaud, dit. J'ai bien plus de dégâts maintenant. Ah oui, c'est pour s'améliorer. Arbre de capacité. Nouvelle capacité débloquée. Ah bah dis, je fais A. D'accord. C'est sympa. On gagne en puissance en trouvant les forges. Attends, on peut changer. Ah oui, puis il y a autre chose. Donc là, attends, est-ce que je... Non, 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 on les débloque automatiquement. Donc tu maintiens... Attends, tu maintiens et t'appuies sur Y. Là c'est Y, Y, Y. Et là c'est O, Y. Attends, on va essayer. Ah bah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait capacité de l'océan. Ok. Alors attends, on va essayer. Donc là je fais... D'accord.
Ah oui, c'est pour taper en haut et là comme ça. Ok, c'est bon. Allez. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas les attraper. Oh putain, lui par contre faut l'attaquer tout de suite parce qu'il t'attaque. Ok. Il y a pas de double saut. Non, au cas où. Peut-être après. Ah tiens, attends, je peux les attraper, là pour voir. Oup. Ah ouais, ça serait pour monter haut. Ah oui, mais... attends, si, ils vont bouger. Ah oui, mais non, je peux pas le choper comme ça. D'accord, ok. Je peux le désinguer, lui. Non, on peut pas. Pour l'instant. Ah non, hein. Ah eux, dès qu'ils te voient, ils t'attaquent. Hein. Si ça se trouve, je sais pas si en haut il y aurait des trucs. Tiens, on va essayer, attends. Non, il y a rien, je vous confirme. Mais c'est certainement dans d'autres niveaux, il y aura peut-être des trucs comme ça. Ah, c'est pour donner la vie, ça, ok, d'accord. Ouais, bon, bah là, voilà, il te... Hop. Eux, on peut rien faire avec eux. Attends, en bas il y a un truc. Alors, un trognon de pomme. Ouais, enfin c'est un joyau ou quoi. Alors récupère des trognons de pomme et utilise-les pour augmenter le niveau du cœur de smelter. Ok, ça sera dans la partie carte, on va dire. Voilà, hein, le royaume de machin. Ah, bah, y a un petit truc secret là. C'était pas prévu ça, je pense. Enfin, si, c'est prévu, mais... Je veux dire, normalement, je pense qu'on doit continuer. Ah, ou peut-être pas. Je sais pas du tout. Attends, là, il y a une porte, et là... Non, là, la porte, elle s'ouvre pas. Bon, attends, on s'en fout, on va aller voir. Je sais pas s'il y avait un passage de l'autre côté en bas. Non. Là, c'est bien... Ouais. Ne te fais pas tuer. D'accord, on a un niveau bonus. Ah, bah là, le temps, je vais pas le suivre. Hein. Attends, mais comment... Oh, c'est chaud. Oh, la vache, c'est trop dur. Ah non, mais là, comment tu veux faire ? Attends, je peux sauter quand je suis sur les murs ? Attends, je vais réessayer. Ah ouais, je peux. Attends, pareil. Ah, attends. Putain, c'est chaud. Attends, on va attendre le dernier moment et hop. Ah, j'aime pas ce genre de truc. Ah, j'aime pas du tout. Attends, on y est bientôt au bout. Ah voilà, je vais terminer celle-là. Attendez deux secondes, je reviens. Bon, ça y est, me revoilà. Allez, donc, on... Alors, on s'en doute la marque la plus rutilante que j'ai jamais vue. Bon, bref. Alors, je sais pas ce que j'ai ramassé auprès de forces spéciales dissimulées partout. D'accord. Ça sera certainement pour se donner... On deviendra plus balèze. Ok. Donc, faut les faire. Mais par contre, putain, qu'est-ce que c'est dur. Hein. Ok, bon, allez. Et là, ça se pourrait qu'on ressorte... bah, en haut, là, certainement. Ça c'est original ça aussi. Bon allez, encore ça va, il était pas trop dur. Bah alors les prochains. Alors donc. Hop. Hop. Purée la vache. Ah bah tiens, une autre forge. Bah ça tombe bien. Alors. Bon là on finit le niveau puis puis après on va arrêter. Je pense... Enfin, on regardera encore un peu sur la carte. Aussi légère que le vent. Alors, là, j'ai décollage et agrippe-mur. Alors, vas-y, fais voir, c'est quoi ça. Alors, appuie sur un en glissant le long d'un mur. Elle peut s'arrêter. Ah, on peut s'arrêter. Oh, purée, ça aurait été pratique, ça. Mais ça se trouve, c'est le truc qu'on a eu avec le niveau bonus.
Alors, elle se propulse en l'air pour atteindre des endroits en hauteur. Ah, d'accord, ok. Putain, ça en fait des trucs à retenir. Alors, attends. Ah bah attends, il le fait là. Donc là... Ah oui, mais je reste appuyé. Et je lâche. Ok. Et donc là... Voilà, je reste... Putain, ça c'est pratique ça. Alors, faut pas oublier que j'ai... Hop! Ah non, ça marche pas quand... Ok. Ah si, attends, je peux l'attraper. Non. Ah si, attends, si, attends. Il y a un moment donné, je peux. Ah mais... C'est vraiment... Non, j'arrive pas. Faut vraiment calculer. Bon, allez, tu m'emmerdes. Allez, hop. Je vais te défoncer la tronche. Voilà. Non mais où? Ça va. Bon, lui, pareil, on va lui démonter la tronche. Allez, hop. Tiens, allez, tac. Ah merde, je voulais faire un double saut, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de double saut. Mais on voyait bien, à un moment donné, il avait un halo vert. Ah, purée. Je l'ai pris en pleine tronche. Je voulais faire un... Ah non, mais on peut pas. Putain, je vais faire quick. Non. Ah. Putain, je sais pas ce que je fais là. Je fais des conneries. Je vois tout là. En plus, tu ramasses un truc. Tu ramasses des trucs. Je sais pas si ça a une importance de tous les détruire. Je vais quand même le faire. Ouais. Putain, il y a un gros trognon de porc là-haut. Tiens, là, il y a un truc. Attends, je vais aller voir. Attends, là, il y a un truc. Ok. Ouais, il y a bien des trucs cachés partout, hein. Faut bien que vous fassiez attention. Hop là, c'est quoi? Ça sera pour... sur la carte, certainement. Si ça se trouve, c'est pour faire... une tourelle. Et donc là, on se rapprochera du tailleur défense. J'aurais raison. Peut-être. Ah, de l'autre côté, ah bah là, c'est un trognon de pomme pourri. Hein. Attends. Il y avait en bas encore. Et là, c'est pareil. Il y a un truc là ou pas? Non, là, il n'y a rien. Il y a rien. Ah, merde. Ah non, attends. Je veux mon trognon de pomme là en bas. Bon, bah... Ah, puis en bas, il y avait le bonhomme. Au pire, le bonhomme, je sais pas. Ça, je suis pas obligé de les dégouiller, mais... Voilà. Attends. Ah oui, mais... Ah oui, d'accord. Ah oui, alors là-haut, c'est un niveau bonus. Bah oui, je suis con, c'était la porte. Bon, attends, j'y retourne. On va le faire. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux dans le même niveau. Ou peut-être qu'il y en a plus, aussi. Hein. Attendez, attendez, attendez. Pas grave, la vidéo sera un peu longue, on s'en fout. Le jeu est bien par contre. Ça n'a rien à voir avec Megaman, hein. Ça m'énerve pas déjà. Donc c'est bon. Ah, ne te fais pas repérer. Ah, c'est jamais le même. Ah, ça c'est pas mal. Alors. Hop. Merde. Ah, oh, putain, il est passé au même moment. Ce... Il s'est retourné au même moment. Alors attends, attends, attends. Là. Bon, lui, ça va être facile. Allez. J'ai failli pas y arriver. Attends, je vais essayer un truc. Voilà. Attends, on se méfie, là, parce que... Non, c'est bon.
Ah ouais, il faut que je monte tout en haut. Bah attends, je fais pareil. Mais par contre, il faut que je calcule mon coût. Attends, ils sont pas synchronisés, les mecs. Ah, je vous suis. Attends, faut que j'aille là-bas. Ah! Bon, là, pareil, il faut que ça soit synchro. Attends, là, je peux pas. Là, non, ça. Non. Ah, si, j'aurais pu, tant pis. Là, on va pouvoir. Putain, j'ai hésité. Ah, là, pareil, attends, on va faire un. Hop. Hop. Ouais, c'est bon, impeccable. Bon, 1 minute 17. Et là, je récupère. Donc, normalement, un nouveau pouvoir. Donc, vous êtes obligé de les faire si vous voulez avoir tous les pouvoirs, par exemple. Alors, je sais pas ce que ça va être là. Il faut qu'on trouve une forge. Bon, en fin de compte, ces trucs-là, non, je sais pas. On récupère des ressources, mais. Par contre, ouais, il y a beaucoup de trucs à retenir. Mène-toi. Ah là là, je l'ai raté. Attends. Ah bah là, j'ai pu l'attraper. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah, vas-y. Alors, t'as un corps de pierre. La roche qui couvre mon armure peut être rendue encore plus épaisse. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a débloqué avec. Patouche et corps de pierre. Corps de pierre, c'est ce qu'on vient d'avoir. Et patouche, c'est. Donc le truc. Alors c'est quoi? Alors corps de pierre. Donc ça, c'est. Maintenir A enfoncé. Ok. Et là, patouche, c'est. Utilise corps de pierre. Ah bah non. Bah je sais pas là. Utilise corps de pierre pile au moment où un projectile touche F pour annuler les dégâts. Marche sur la plupart des projectiles. Oui, mais pas tous. Ah, attends, vas-y. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais c'est tout de suite, c'est rapide. Attends. Ah oui, d'accord, faut pas que j'utilise trop parce qu'en fait c'est la petite jauge dans le carré. Hein? Alors, bon, ma caméra sera de l'autre côté, donc pour vous, ça sera de l'autre. Enfin, ça sera par là. Là, vous avez une boule rose, la barre de vie. Et en dessous, on a un carré avec deux barres et une petite boule orange, là. Et en fait, quand j'appuie, hop, voilà, vous voyez, ça disparaît et ça se recharge. Ah, purée! Ah, bah oui, c'est ça, j'aurais dû faire au bon moment, quel con. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah oui, pour descendre. Merde, dis donc. Ah oui, non, attends, d'accord, je reste appuyé. Ah non, dégage. Mais attends, ça te perd. C'est quoi, c'est un ennemi? Attends, j'essaye. Non, c'est pas un ennemi, c'est. Ah! Allez, zou. C'est pratique, finalement. Ah oui, il y a pute là, j'avais pas vu. Ah bah attends. Vas-y, reviens. Et voilà. Ah, il y a des passages de trucs partout. En fin de compte, là, au début, c'était chiant parce qu'il y avait le. Hein? Ah oui. Comment dire? Ah tiens, je peux le récupérer. Attends, je suis perdu. Je sais plus ce que je disais, merde. Non, je sais plus. Bon, tant pis. Ah! On a quoi, un boss? Ah. Ah, ah. Bon, ça y est, me revoilà, deuxième fois. Ah bah, j'ai fait les cadeaux de Noël, les machins, tout ça, alors là, j'ai livraison. Ah, bref, allez. Détective close.
Ah putain, attendez, j'ai couru là. C'est pas ça, bah, la porte, la boîte aux lettres, il est pas à côté. Bon, ah, te voilà enfin. Alors, on surgit pas comme ça devant les gens, j'ai failli avoir une attaque. Ouais. Bon, allez, roule. D'ici là, ouvre l'œil. Mais comment... Je rigole, non, mais j'ai entendu un truc... Bon, bref. Alors, mais comment est-ce que cette corde a... ouais, bon, bref. Bon, allez-y. Alors, t'appuies sur L. Ah oui, mais je regarde dans l'air. Alors, on dirait que ça a déclenché quelque chose. Partons d'ici, allons... Ouais. Voilà, donc là... Alors, on a fait dans, en gros, le premier niveau parce que ce qu'on avait fait au départ... Ah merde! Épreuve trouvée, il y en avait 3. Bon, tant pis. Alors ça, c'est un ennemi. Que Gunbor a été envahi par la petite chose verte. Verte. Est-ce qu'il nous montre le méchant? Alors, il est de retour. Ok. Alors, autrefois, les hommes étaient dirigés par une imminente impératrice, mais elle a un jour disparu sans laisser de traces. Ok. Bon, allez, on regarde ce qui va se passer sur la carte. Et ensuite... Ça, c'est quoi, ça? On dirait que l'obélisque des épreuves est de nouveau fonctionnel. On peut l'utiliser pour retourner rapidement à toutes les épreuves qu'on a déjà trouvées. Ah, oh, je vais pas les refaire, hein. Faut pas déconner. Voilà. Ouais, non, moi je m'en fous. Donc, mais par contre, dans le premier niveau, il y en a un que j'ai oublié. Alors. Donc là, on a ouvert la porte pour aller là-haut. Ok. Donc là. Alors. On va étendre mon territoire. Ok. Ouais. Alors, admettons là. Alors, attention. Donc. Ah oui, je peux choisir un endroit. Oh, je vais la mettre là. Oh non, on va la mettre ici. On s'en fout en fait où on va la mettre. Bref. Ah non, on est obligé de la mettre. De toute façon, on est obligé de la mettre des deux côtés. Donc on s'en fout. Ok, ça c'est fait. Je peux construire des trucs sur les nouveaux territoires vides. Ok. Ok, bon alors, hop là. Donc là pour l'instant... Ah oui, si, si, après vous pourrez choisir en fait. Là pour l'instant, bah, comme c'est le début. Ok, donc je renforce le 1. Ah ok, c'est ça les trucs. D'accord. Bon, l'autre va revenir nous parler. Allez-vous. De toute façon, là je suis obligé de suivre. Alors, contemple la population zirmienne de l'Empire. Alors, inactive. Ah oui, je pourrais en avoir 32. Là, il y en a 4 sur 36. Ouais. Enfin, là, c'est un exemple, en fait. Hein. Augmenter le total affecté. La population zirmienne change quand tu affectes ou renvoies des zirmes et quand tu construis des chaumières. Assure-toi d'avoir assez de chaumières et surveille ta population. Ok. Alors, ça, c'est la production. Ouais, bon, ça... Hein. Augmente la production de pommes. Ah. Les pommes tuaires, ouais. Où travaillent les zirmes. Augmente la production de pommes. Chaque zirme de l'Empire doit avoir une pomme. C'est vraiment trop bizarre quand même. Ok, bon, alors donc. Là, ils ont pas de pommes. Alors attends, donc là, faut que je fasse un truc de pomme. Voilà. Donc là, je vais mettre une pomme tuaire. Ok, vas-y, roule. Oui. Allez, je reste appuyé. Non, 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 j'ai pas besoin de rester appuyé, c'est fait. Ok, quel magnifique édifice. Bon. J'affecte un zirm pour qu'il aille. Hop. Ah non. C'est Y. Vas-y, viens. Allez, hop. Viens travailler. Ah oui, à... ah merde, j'ai pas le temps. Alors, ok. Bon, la petite patati patala. Et hop. Oui, roule. Alors. Les zirms meurent de faim.
Ok, les yeux mourront de faim s'il y a trop de yeux par rapport à la production de pommes. Ouais, bah ça c'est normal, tu me diras. Alors je lis pas tout, hein, c'est pas la peine. Bon après je pense que y a moins de blabla quoi, parce que sinon c'est chiant. Allez où bon là je peux rien construire en fait. Je sais pas à quel moment ça fera ça. Alors étendre l'empire. Hop, on y va. Ah oui je peux. Ah oui y a quoi faire. Bon attends, fais le premier. J'étends. De toute façon faut faire tout. Hop. Et hop, voilà. Ok. On va bâtir une caserne. Donc là, une caserne. Donc là, vous avez les niveaux, je pense. Ouais, il y a un. Puis là, il y a trois. Ouais, je sais pas trop comment ça va se passer. Ça. Là, pour l'instant, on suit. Hein. Il n'y a pas de. Mais après, oui, ça sera à moi de bidouiller le truc quand même. Alors, ah oui, il y a plus de clé. Hop. De toute façon, c'est un seul bonhomme. Hein. Donc, à chaque fois que vous mettez une caserne, paf, vous devez mettre un machin de pomme. Ah. Donc là, c'est une. Voilà. Ah non, la caserne, c'est ça. Non, c'est une sorte de village, je parle. Pas une caserne. Ok. Donc, ah. Et là, il y a quoi? Tour de garde. Ouais. Ça va, il n'y a pas trop de choses quand même. Hein. Ça va. Ah, vous avez 4 trucs. Voilà, donc là. J'y ai fait. Par contre. La tour de garde. Oh, bah allez, vas-y là. Parce que, de toute façon, après, j'ai plus personne. Ah oui, ils viennent d'en bas. Attends, j'en ai d'autres encore. Ah oui, il y a encore un bonhomme, ok. Normalement, c'est bon. Là, tout le monde y est. Hein. Ah, il y a encore un petit bonhomme, là. Ah, faut que je trouve un endroit où le mettre. Des forces ennemies approchent. Nous devons... Que devons-nous faire? Ah bah... On va les renvoyer d'où ils viennent. Donc là, normalement, je peux les attaquer, moi. Ouais, voilà. Par contre, disons, j'ai... Attends, capacité. Ouais, mais je peux pas les prendre. Non, ça sera les prochaines, ça. Là, moi, j'ai que ça pour l'instant. Voilà. Avant de continuer. Oula. Ah oui, d'accord. Alors attends, ça je maintiens. Là. Je. Ah bah non, je suis obligé de le faire dans l'ordre, je suis con. Alors, attends. Donc. Ah non, il faut que je fasse aussi de l'autre côté. Ah oui, une caserne. Ok, donc là, tac, tac, tac. Et 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Oh là, c'est quoi ce truc-là? Il semble clôture de la bataille, mais éclaireuse et mi-bœuf, mi-hibou. Ah non, ça c'est le bonhomme que... qui nous a fait le coucou tout à l'heure. Ah. Bon, si ça lance quelque chose... Voilà, donc là... Un essai des ruines près de la colline. Ah oui, les bonhommes, ils arrivent. Mais ça, c'est quoi? Bénédiction. Ah, tu peux pas sceller. Bon, attends, on finit. Alors, ça fait... Voilà, allez-y, les rigolos. Attends, comment on fait pour réparer? Ah oui, R.
Ah, je peux pas. Oui, bah c'est ce que je fais. C'est quoi ça? Il va tout détruire ce con. Voilà. Vas-y, ça répare. On répare. Ah merde, il y a un ennemi là. Attends. Par mes ailes, une embuscade. Je dois protéger ma Zirmounette. Merde, je suis obligé. Oh là là, là c'est vraiment le bordel là par contre. Oh, un petit queue. Ah, là, c'est bon. Là, on répare. Là, on répare. Là, je répare. Putain. Là, on répare. Si, là aussi. C'est bon. Non, là-bas, on peut pas y aller. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Attends, c'est quoi? Protéger les ruines. Ah oui, il y a un temps. Ah oui, après il faudra les détruire ces trucs là certainement. Attends, lui d'abord parce que. Ah. On va faire ça, et puis après, bah oui, j'arrêterai là quand même parce que. Bah comme ça vous voyez hein, le passage. On va dire stratégique. Du jeu. Mais là oui en quelque sorte c'est un peu toyordé quoi. Par contre j'ai pas beaucoup de. Merde, c'est déjà fini. Oh là 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 là. Ah non mais attends le machin il va pas avoir le temps. Ça y est. C'est bon. Ah oui, parce que quand on fait ce truc-là... Ok, d'accord, ça marche. Ok, bon, allez, on va s'arrêter là-dessus. Allez, dépêche-toi de finir de blablater, toi. Ça y est, c'est bon. Non, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Bon. Ah oui, d'accord, il y a des ennemis de tout. Non, non, mais c'est bon, allez, hop. Oui, avancer vers les collines, donc logiquement, je pense que c'est... Non, c'est pas ça. Ah bah non, le truc que j'ai débloqué, voilà. Donc là, je rentre là-dedans, puis donc... Bah au pire, attends, on va aller dedans. Voilà, mais je m'arrêterai à ce moment-là. Bon, c'est pas mal. En tout cas, moi, perso, ça me donne envie de le continuer et de découvrir un peu le jeu. Et c'est pas mal ce mélange de plateforme et toi de stratégie. Alors par contre, si vous choisissez le mode action, par contre, vous avez pas, je pense qu'on n'a pas cette partie dont stratégie. Je pense qu'en fait, on passe directement au niveau comme ça, là, niveau de plateforme. Ou alors, on passe par la carte, mais je pense qu'on n'a pas à s'occuper de protéger les terres ou quoi que ce soit. Je pense que ça sera plus dans ce genre-là. Bref, donc, bon, on va s'arrêter là-dessus. Le prochain jeu, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, bon alors, je l'ai pas encore su. Alors, j'espère... Normalement, je devrais l'avoir aujourd'hui, normalement. Donc, normalement, ça sera le jeu... Alors, ma caméra, elle est par là, donc... C'est pas comme ça, c'est par là que je vais mettre. Voilà. Donc, le prochain jeu, ça sera... Alors... bon, vous avez déjà l'image qui apparaît, mais je sais pas comment ça se prononce. Cubus Lost Pet. Lost Pets. Cubus. Voilà. Ou Cubu. Je sais pas comment ça se prononce. Cubu, Cubus. Ça sera le prochain jeu qu'on fera. Normalement, je le reçois aujourd'hui, donc. Parce que je ne t'ai pas encore reçu. J'ai reçu des colis, mais c'est pas ça. Et si jamais c'est pas celui-là, bah, y aura une autre boîte à la place. Voilà. Hein. Comme dame. Ça changera pas. Allez, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon jeu et à la prochaine fois. Salut !